suis Kevin Yao. Bon, malheureusement, ce n'est pas dans ces conditions-là que j'aurais voulu que la plupart des gens me connaissent, mais bon, pas bien grave. Tout ce que Dieu fait est bon, comme on dit. Je sais pas. Je suis la responsable de Perfect Skin Industry, qui est Winner Technology et la marque Taylor Lydia. C'est même très bien. Je suis reconnaissante à Dieu parce que beaucoup de gens ne savaient pas qu'on n'était plus ensemble d'ailleurs. Je n'ai pas voulu en parler sur les réseaux ou étaler ma vie ou dire qu'on n'est plus ensemble parce que je craignais justement qu'il y ait polémique, que les gens s'en servent, que ça aille dans tous les sens. Oh, ils sont plus ensemble, c'est rentré là, c'est passé là. Voilà, donc cette sortie, même malgré qu'elle soit très négative, c'est aussi une bonne chose. Officiellement, tout le monde sait maintenant que depuis 3 ans, on n'est plus ensemble. C'est une bonne chose parce que j'avais besoin aussi de poursuivre ma vie. J'ai beaucoup pensé qu'on était ensemble, on me reliait toujours à lui. Donc, c'est très bien. Je suis contente. Je sais accepter tout de la vie. Je n'ai jamais eu une vie facile. Donc, je sais accepter la dualité. Je comprends le monde. Voilà. Je comprends le monde, je sais que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des éclaboussures d'une certaine façon. Bon, je sais que beaucoup souhaiteraient que ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté soit vrai. Malheureusement, je vais les décevoir. Je ne suis pas une sainte, c'est vrai, je ne suis pas parfaite. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire de moi, c'est que le mensonge ne fait pas partie de mes défauts, l'ingratitude non plus, la méchanceté telle qu'il m'a décrite là, ou l'occultisme, tout ce qu'il a dit là, ça ne fait pas partie de mes défauts. S'il avait dit que Kevin est bouddhiste, ou alors elle fait je ne sais pas quoi, comme les moines, j'aurais plutôt mieux compris parce que tout le monde sait que je médite tous les jours, je commence à 4 heures du matin, je ferme mon téléphone, même je peux rester silencieuse en méditation pendant des heures. Je fais du yoga. Tout le monde sait. Ça, c'est mon truc. Je voyage même pour ça. Donc, s'il avait dit ça, peut-être. Mais tout le reste, là. Je veux dire, spirituellement, j'ai un niveau tellement élevé que c'est trop petit ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de ça. J'attire. Je sais attracter. Je connais les lois de l'univers. Je sais comment on attire les bonnes choses, les bonnes vibrations. Donc, pourquoi aller me fatiguer dans des pratiques inutiles? Voilà. Parce que dans la vie, si tu sais aimer, si tu arrives à un niveau spirituel où tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe dans l'univers, tu considères que ça a de la valeur. Le moindre humain a de la valeur. Si tu sais aimer au-delà de toi, c'est-à-dire que tu sais aimer la création entière. Tu sais aimer un inconnu dans la rue. Tu sais respecter les autres. Si tu sais ouvrir ton cœur et être en béatitude, tu ne peux jamais manquer de rien. Là, c'est vraiment le summum de la foi, d'aimer et de ne plus avoir peur. Parce que l'amour, c'est ce qui pourrait me caractériser le plus. Donc, c'est dommage ce qu'il a dit, mais bon. Je pense qu'avec votre Lucane, on va pouvoir éclairer les choses quand même. Je suis un peu triste pour lui parce que Kafumba, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, déjà pour son histoire. Ce qui m'a marqué, c'était son histoire parce qu'il me l'a raconté. Il a dit que des gens étaient venus tester des jeunes dans différents quartiers pour le football. Et il avait 12 ans, je crois. Et ce qui m'a touchée, c'est que un enfant de 12 ans ait pu avoir le réflexe qu'il a eu parce qu'il a dit qu'il avait participé à un groupe, on l'avait pas retenu. Et puis il a couru, il est allé dans un autre quartier et puis il s'est encore présenté et c'est comme ça qu'il a été retenu. Et ça, ce trait de caractère-là, je me suis retrouvée dedans. Voilà, je me suis retrouvée dedans parce que je suis de nature audacieuse. Et très téméraire d'ailleurs.
Donc, j'ai vu en cela une grande qualité, une force de caractère pour changer son destin. Malheureusement, ce petit enfant-là, je me suis battue avec lui vraiment pour qu'il le retrouve. Mais je pense qu'il a perdu ça depuis très longtemps, je ne sais pas comment. Il a eu beaucoup de peines, beaucoup de coups dans la vie, beaucoup de douleurs qui ont fait qu'il a perdu beaucoup confiance en lui. Et donc, quand je l'ai rencontré, il sait. Je me dis que tout ce qu'il a raconté là, il connaît la vérité. Je me demandais même si ce n'était pas difficile pour lui de prononcer les mots là à mon encontre. Et en même temps, c'est-à-dire, il n'y a même pas longtemps, il luttait encore pour me récupérer. C'est-à-dire, d'une main, tu me dénigres, de l'autre, tu te bats pour me récupérer. C'est toujours la même dualité dont on parlait tantôt, donc ça va. Mais j'ai de la peine quand même parce qu'on aurait pu éviter ça, vraiment. 3 ans de séparation, il n'y a pas eu un mot. C'est maintenant que le déballage se fait et de cette façon négative. C'est-à-dire que j'ai senti la frustration, le besoin, la grande nécessité de ternir mon image, genre... C'est trop une noix blanche, il faut que je taille en pièces cette fille-là. Bon, j'ai jamais eu de mauvaises intentions pour lui. Et je vais vous donner des preuves. Si vous savez, même malgré qu'on n'est plus ensemble, les combats que j'ai dû mener pour lui, comment je l'ai couvert de beaucoup de choses. Pour dire vrai, si je n'avais pas été là ou si je ne faisais pas d'efforts, il serait en prison en ce moment. Mais bon, il semble ne pas... considérer cela, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que Dieu fait est bon. Voilà. On n'a pas pu résoudre le problème en silence parce que je ne savais pas qu'il ferait sa sortie, puisqu'on ne communiquait pas. Donc je ne savais pas. Donc voilà. Je savais qu'il racontait beaucoup de choses sur moi en privé. J'ai même des amis qui venaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de fait un post, Kafou a vu les rentrer dans mon inbox, il me dit « Oui, Kevin, finish, ça c'est mes amis du Nigeria, qui l'a raconté beaucoup de choses sur toi, tu serais ingrat, tu aurais fait ci. » Il leur dit « C'est pas grave, je suis habituée. » Donc je suis contente que ça se passe comme ça, parce que ça, il le faisait déjà. Depuis 3 ans, c'est ce que je subis. Mais en silence, il n'était... Mais là, maintenant qu'il a fait comme ça, je suppose que c'est bon, c'est la délivrance. C'est mieux. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je le bloque tout le temps. Vous savez, déjà même la genèse de cette séparation-là, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Le gars, il m'a appelé un jour. Il me dit qu'il n'a plus de feeling, d'accord? Moi, je suis à Abidjan. Lui, il était à Lagos. Et vous savez pourquoi cela est intervenu? Parce que la semaine à l'avance, il m'avait demandé un prêt. C'est-à-dire une énième fois. Et cette fois-là, je lui ai simplement dit que vraiment, là, ce n'est pas le bon moment pour moi aussi, parce que j'ai beaucoup d'investissements, mais on verra bien, OK? Mais par contre, je peux te donner peut-être le nécessaire pour ton quotidien, mais pas ce genre de choses. Et cet agent qui m'a demandé, c'est parce qu'il avait mis sa voiture en garant chez les usuriers. Quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous séparaient après. Parce qu'avant, c'était quelqu'un d'autre. Et après, ce qu'il est devenu, ça a mis trop de barrières entre nous. Je ne m'endette pas, même pas auprès des banques. Parce que je sais qu'il faut tout faire pour pouvoir se gérer avec ce qu'on a. OK? Et puis, gravir les échelons. C'est vrai, aujourd'hui, je suis dans cette maison. Il dit même que j'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai toujours vécu selon mes moyens, jamais au-dessus de mes moyens. Si je n'ai pas un revenu qui peut couvrir, c'est-à-dire que si la charge peut-être de mon loyer n'est pas peut-être à 1, 2%. Et puis d'ailleurs, c'est aussi ma façon à moi de sortir de ma zone de confort. Chacun a sa façon de se motiver. La prospérité est d'abord spirituelle et mentale, OK? Ce n'est pas parce que tu dors dans une bicoque que tu vas économiser pour construire un château, forcément. Tu peux dormir dans une bicoque, ne jamais dormir dans une bonne maison et mourir. Il y a des personnes qui ont des logements de 50 000 qui n'arrivent pas à payer. Voilà, donc l'affaire qui fait polémique. Moi, j'ai vécu
pratiquement cette année dans une maison qui coûtait 1 500 000, mais sans défaut de paiement. Voilà. Donc, chacun à son niveau. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu ce feeling-là que je n'étais pas n'importe qui. Je n'ai même pas encore accompli ma destinée. Je n'ai même pas encore commencé. Les gens n'ont même pas idée de ce que c'est que la vision de ma vision, la maison de mes rêves. Moi, quand je suis dans des trucs comme ça, oh, elle veut une maison, elle piscine. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la maison de mes rêves si je devais la construire. Je pense que une histoire, faut pas la bâcler. Hein. Faut tout raconter depuis le début. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. J'ai connu Kafumba. Déjà moi, à l'époque, je ne vivais pas ici. Je vivais entre le Nigeria et le Bénin. Même quand je devais faire venir mon fils, il fallait laisser passer, il fallait donner les détails comme ça. Il y a longtemps que je me bats. Donc moi, depuis mes 16 ans, j'ai quitté la maison. Ma première maison que j'ai louée, c'était à 16 ans. Peut-être que j'ai donné cette idée-là à Kafou à cause de ma grande indépendance. Parce que quand tu as quitté la maison à 16 ans, que tu t'es débrouillé, parce que quand tu quittes la maison à 16 ans, tu n'es pas forcément en bon terme avec la famille. Donc, quand tu as tout fait sans dire qui tu es, sans montrer qui est ta famille, sans utiliser leur nom, on peut croire que tu es tombé du ciel, au fait, que tu n'as personne. Mais c'est quand tu me touches que tu sais si j'ai une famille ou pas, au fait. Donc, on verra bien la suite de tout ça. Mais en attendant, j'ai connu Kafou quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Honnêtement, je ne suis pas rentrée comme j'aurais voulu. C'était une situation majeure qui m'avait obligée à rentrer. J'avais même tout laissé derrière moi. Avant, je faisais la vente de t-shirts, les conteneurs de t-shirts blancs, là, ordinaires. Les gens qui font qui mettent les cachets sur les t-shirts à jamais et autres, là, ouais. Beaucoup me connaissent, ils m'appelaient la blanche. Je fournissais à beaucoup de gens, que ce soit à jamais, que ce soit dans les périphéries, là. Et partout en Afrique où il y avait des campagnes, j'y étais. Voilà, donc je faisais ce business-là. En plus des vêtements cousus, je vendais des tenues Naija que je faisais confectionner au Bénin. J'ai plein de témoignages. Il y en a qui portent encore mes vêtements. J'ai des personnalités que j'ai habillées dans ce pays, comme M. Alafé, désolée de l'inclure, mais bon, c'était un client parce que je lui vendais des fringues. Je vendais les produits cosmétiques. En tout cas, j'ai toujours été touche à tout. Je n'avais pas le choix dans tous les cas. Donc, j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai eu une mauvaise collaboration avec un partenaire. Il y avait une campagne ici et on devait fournir des t-shirts. Le marché était gros. Je ne pouvais pas être la seule à satisfaire. Donc lui, il devait envoyer aussi des t-shirts. Donc quand il envoie les t-shirts, il envoie en retard. Le client a déjà payé, c'est les campagnes. Il faut bien qu'ils aient leurs t-shirts. Pour éviter les problèmes, moi j'ai remboursé. J'ai redonné l'argent puisqu'il y avait des délais à respecter. Il ne les a pas respectés. Donc, on reçoit les t-shirts en retard. C'est beaucoup. On n'a pas de campagne. Les gens se sont fournis. C'est la haute saison. On ne peut pas écouler la marchandise. Donc, moi, j'ai stocké cette marchandise-là pendant plus de 2 ans, je crois, sans toucher à un rond, sans prendre quelque chose. J'ai dû mettre des gardiens, payer une location, faire tout ça. Donc, il m'a dit un jour qu'il avait trouvé des gens qui voulaient acheter. Je me suis dit, Dieu merci, ce cauchemar va se terminer. Chacun va avoir son argent et puis on va passer à autre chose. Il a vérifié, tout est au nombre, et il a voulu m'arnaquer d'une certaine façon. Le magasin était au marché de Belleville. Dieu merci, je traite bien les gens, que ce soit les gardiens, les gens même généralement. Donc, c'est eux, hein, moi je n'étais même pas en Côte d'Ivoire, qui ont fait barrière, qui m'ont appelé. J'ai quelqu'un, Ahmed, j'espère qu'il va bien. Il a mobilisé tout le marché. Ils ont empêché que le gars parte avec mes affaires. Il quitte ici, il rentre parce qu'il était béninois. Et moi, j'avais mon appartement là-bas. D'ailleurs, c'était sur son immeuble à l'époque. Et le gars, quand il arrive, comme c'est dans son pays, il essaie de m'intimider. Il envoie la police, les gens sont armés, tout ça. Je suis une femme, donc j'avais peur. Mais Dieu merci, j'ai de très bons amis. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais
J'ai un ami qui était candidat au présidentiel, qui est quelqu'un de très important, qui m'a envoyé des généraux, des gens comme ça. Et puis, on a commencé l'affaire. J'ai mon mentor. Mon mentor, c'est quelqu'un de vraiment très puissant aussi, qui m'a trouvé les meilleurs avocats. L'affaire a été jugée, ça a été classé non-lieu. J'avais raison, j'ai gagné le procès. Le gars, c'est une histoire trop rocambolesque. A fait enlever mon fils, parce que mon fils était en vacances. Donc, ça a été une autre histoire. Quand on a fini, ils m'ont simplement dit, cherche à rentrer chez toi, parce qu'ici, c'est pas chez toi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, cherche à rentrer. Et donc, dans la précipitation, je ne pouvais pas partir avec l'enfant. Voilà comment je suis rentrée, mais bousculée. J'avais un grand appartement. Je postais mon appart sur Facebook. J'ai plein d'amis qui ont été dîner chez moi, qui savent. Moi, j'aime le confort, hein. J'étais seule là-bas, mais j'avais un grand appartement. Il y avait 3 chambres. Il y a 2 chambres qui n'ont jamais servi, mais ce n'était pas grave. Moi, je peux vivre dans une maison de 10 pièces toute seule. Ça ne me dérange pas. Du moment où, quand je me réveille, je sens la grandeur. C'est important parce que c'est bon pour mon esprit et pour mon subconscient. J'éduque mon subconscient. C'est ma philosophie de vie. Voilà. Hier, j'ai loué une maison à 2 500 que je n'arrivais pas à payer. Ça, c'était mon premier loyer quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. C'est aussi une façon pour moi de voir comment je gravis les échelons. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Je ne le fais pas pour impressionner quelqu'un. Mon confort n'a pas de prix parce que je travaille dur pour l'avoir. Donc, quand je rentre, le monsieur arrive ici. Il voit un policier, il voit un soir info. Ça, c'est à l'époque, hein. Et puis, on me met quelque chose, genre, cette fille, elle est recherchée ou un truc comme ça. J'étais enceinte. Donc, vraiment, les conditions n'étaient pas réunies. Et ma tante, Fabienne Angois, elle a chargé le dossier. On a porté plainte contre le magazine. Ils ont publié un démenti. L'organisation de la presse les a sanctionnés. Maître Daguet, désolée de prononcer les noms, mais bon, ça c'est vraiment, je lui serai reconnaissante toute ma vie, parce que c'est un grand frère formidable, franchement. Maître Daguet, il a réglé ce problème-là, il n'a même pas voulu d'honoraire. Cette période-là, j'avais eu trop de coups. Je venais aussi, il n'y avait pas longtemps, je venais de perdre mes 2 frères. J'étais l'enfant du milieu, j'avais perdu mes 2 meilleurs amis, c'est-à-dire mon frère aîné, mon petit frère. J'étais brisée, j'étais vraiment pas dans mon état normal, en plus j'étais enceinte. Je ne pouvais même pas parler. Je pleurais seulement, dans tous les cas. Je n'avais même pas de force. Et c'est dans ces conditions-là, quand j'ai fini de résoudre le problème, ils ont réglé et tout. Après, dans cette période-là, et j'avais un autre problème avec quelqu'un qui avait anarché des gens autour de moi, sans que je ne sache. Eux, ils se sont dit que, comme je leur ai présenté la personne, c'est une personne fiable. Donc, il avait pris de l'argent, beaucoup d'histoires, des trucs compliqués. C'est après que je sais. C'est-à-dire, c'était une période noire, tout simplement. Et la seule référence qu'on avait, c'est qu'il avait toujours dit que Kafumba Koulibaly, c'était son meilleur ami. Donc, contrairement à ce qu'il dit, quand il dit que je l'ai approché par rapport à son ex, c'est vraiment un peu dommage parce que je ne suis pas adepte de tout ça, franchement. C'est pas mon truc. Et moi, je suis à un autre level, honestly. C'est pas pour se vanter, mais je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je connais ma vision, je connais mon niveau dans la vie, OK? I'm not part of it. C'est pas mon truc, c'est pas mon délit. Je ne regarde même pas leurs histoires. Je ne fais rien de ça. Moi, j'ai que suite business, je vais directement sur mes pages, je travaille. Quand je vais un peu sur Facebook, tout le monde sait, je mets des stories. Je peux me déconnecter de Facebook pendant 2 semaines. Je ne suis pas adepte de tout ça. Voilà. Donc, je ne peux pas faire tout ce qu'il a dit. Je ne peux pas l'approcher par rapport à une autre femme. C'est quoi ce délire? Je l'ai approché parce que dans le désespoir de trouver, pouvoir avoir au moins une piste sur le gars, puisqu'il avait disparu entre-temps et que c'est la seule référence qu'on avait. Donc, quand on s'est vu, le courant est passé parce que lui, il avait une blessure. Je l'ai contacté via Facebook. Mais je n'avais pas un autre moyen, de toutes les façons. Je lui ai écrit. Au départ même, il avait pensé que c'était une histoire fausse. C'est après qu'il a compris que non, c'était réel et que l'histoire était vraie et tout. Il a pensé que peut-être que je voulais le draguer ou un truc comme ça. C'est pour ça que je l'avais contacté. Donc après tout le truc, il a compris. Et puis bon, il m'a été...
C'était, Cafu, je pense qu'on s'est rencontrés à un moment très important. Vous avez dû vous rendre compte que je suis très positive normalement. Très positive, j'ai une vision carrée, je sais ce que je veux, je connais ce que je suis. Ça a toujours été moi. Mais cette fois-ci-là, j'étais brisée honnêtement. Pour la première fois de ma vie, j'avais perdu la foi. Je ne pouvais même pas sortir de mon lit, je pleurais seulement. J'avais reçu trop de coups, mes frères me manquaient. Parce que je me suis retrouvée comme si j'étais sans défense. Depuis que je suis petite, mes frères ont toujours frappé tout le monde pour moi. Donc je me suis sentie pour la première fois isolée vraiment. Donc franchement, j'étais par terre. Donc la simple raison qui venait tous les jours devant la résidence où j'ai séjourné, parce que c'était une résidence hôtelière. Je n'ai pas pris un studio comme il le dit et tout. Il y a beaucoup de témoins, je vais vous montrer les photos même de cette résidence-là. En ce moment-là même, il n'y avait que des Blancs qui habitaient là. C'était gardé par l'ONU, puisque comme les employés de l'ONU étaient là, donc il y avait vraiment une bonne sécurité. Donc c'était l'endroit parfait pour quelqu'un comme moi. C'était du standing, donc c'est bon. Donc voilà comment je suis restée là, ça ne coûtait pas moins cher non plus. Voilà. Et il venait tous les jours. S'il peut jurer devant Dieu qu'il a déjà... Moi, je ne l'ai jamais laissé rentrer. Parce que je ne voulais pas que... Moi, je fais très attention à mon image. Hein. Quand tu es une fille, tu vis seule quelque part, il ne faut pas faire rentrer les mecs n'importe comment chez toi, quoi. S'il dit qu'il y a trop de choses, il y a d'autres endroits à laisser ailleurs. On s'est fréquenté en tant qu'amis. Il avait ses propres problèmes. Il avait une blessure qui l'empêchait de réaliser ses rêves. Il était complètement aussi déboussolé. Il allait de camp de prière en camp de prière. Il faisait des jeûnes drastiques parce qu'il allait dans des églises où on lui faisait faire des jeûnes, où on dit jeûne sec pendant une semaine, des trucs comme ça. Et moi, ça, c'est des choses qui me peinaient vraiment pour lui. Il devait mettre de l'huile de quoi sur lui, tout ça. Donc, nous deux, on était des animaux blessés quand on s'est rencontrés. Moi, j'avais mes problèmes, il avait les siens. Et tous les soirs, on discutait. Il y avait un maquis devant la résidence, on s'asseyait là. Ça fermait autour de 2 heures. Ensuite, on partait chez mon grand frère Hilaire Kofi, il avait un bar. On partait s'asseoir là-bas, on discutait, on ne faisait que parler. On s'est rencontrés en 2014, on n'est pas sortis ensemble. Notre relation, je l'ai dit, a changé de level, peut-être l'année d'après. Donc, c'était vraiment beaucoup d'amitié. Moi, je cherchais à lui remonter le moral. Moi, ne serait-ce que parce qu'il venait, ça m'obligeait à sortir de mon lit, à m'arranger et à descendre. Donc ça, déjà pour ça, je lui suis reconnaissante. Parce que s'il ne l'avait pas fait, s'il ne venait pas, je ne sais pas si je serais sortie de ce lit-là. Parce que je broyais carrément du noir. Ce n'était pas une histoire d'argent ou quoi que ce soit entre nous. La preuve, quand on s'est rencontrés, c'est lui qui avait des difficultés. Moi, je lui ai prêté de l'argent. Même pas un mois de l'avoir connu. Il y a la reconnaissance de dette. Il a envoyé son ami parce qu'il avait des problèmes de loyer. Je crois qu'ils avaient des problèmes d'électricité. Je lui ai fait un prêt qu'il devait me rembourser. Il devait me rembourser même depuis 1 500 000. Vous pouvez lui demander. Jamais de ma vie, je l'ai encaissé. Je n'ai jamais parlé de ça. Je lui ai jamais demandé de me rendre. Jamais, jamais. C'est jamais arrivé, malgré la reconnaissance de dette. J'ai jamais encaissé. On a continué notre amitié. Après, il est retourné en France et tout. On est resté en contact, souvent au téléphone, souvent on ne se parlait pas aussi. Après, je pense qu'il allait faire des soins, je ne sais pas où, Qatar ou je ne sais pas quoi. Il est revenu un jour. Il est venu encore à ma résidence. Moi, comme j'ai dit, j'étais enceinte. Ma maman, elle était à Boaké. Elle ne vivait pas à Abidjan. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup de complications. Comme j'avais vécu beaucoup de stress, j'ai commencé à avoir beaucoup de complications sur la grossesse. Donc, ma maman, c'est une femme baoulée. Elle m'a envoyé les trucs traditionnels, les canaries, les trucs... Enfin, plein de petits trucs, les trucs qu'il faut boire, il faut faire comme ça. Donc, c'est comme ça que ma maman est venue me voir à cette résidence-là. Il dit que toute ma famille vivait dans... un studio de 4 chambres. C'est incroyable quand même qu'il dise ça. Mais Dieu, là. Au fait, quand tu veux nuire à quelqu'un, il faut bien réfléchir.
parce qu'il y a Dieu. Hein. Les gens, ça ne fait pas un siècle, les gens sont vivants. Il y a eu cet épisode-là. Et puis, voilà, il est parti, il est revenu, tout et tout. La première fois où Cafou et moi, on a eu un repas, c'était chez ma tante Fabienne Angois. Elle a fait faire cuisiner pour nous. On est même parti avec son ami Ahmad. Aujourd'hui, il dit que ma famille est pauvre. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une éducation. Je ne viendrai jamais insulter sa famille, honnêtement. Peut-être que c'est mon humilité, là, qui a fait que Cafou peut me traiter ainsi, parce que j'ai été chez lui. Moi, même malgré tout ce qu'il décrit comme pauvreté dans ma famille, on n'a jamais vécu dans ces conditions-là. Moi, je ne savais même pas qu'au 21e siècle, les gens pouvaient avoir des latrines chez eux. Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer, parce que même moi, au village, chez mon père, on n'a pas de latrine. Que ce soit dans le village de ma maman, il n'y a pas de latrine. Les gens ont des toilettes correctes, tout ce qu'il faut, vraiment, quoi. L'eau sort du robinet, les chambres sont bien ventilées ou bien climatisées. Moi, je n'ai jamais été dans 10 mètres carrés. Lui-même a oublié quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il m'a traité d'arriviste. Il a dit que j'étais une arriviste et tout. Je ne sais même pas s'il connaît la définition du mot. Je vais le lui accorder. Il m'a traité d'arriviste. Alors que, vous savez, c'est lui-même qui m'a dit que sa vie a été difficile parce qu'il a perdu son père à un jeune âge. Et qu'ils étaient 6, ils dormaient tous dans un studio. C'est-à-dire, il m'a montré l'espace. Ça ne fait même pas 20 mètres carrés dans une cour commune. Il m'a raconté les difficultés de son enfance, de sa vie. C'est pour ça que j'admirais sa force de caractère. Je respecte les gens qui changent leur histoire. Les gens qui n'attendent pas, qui ne prennent pas le nom d'autrui. J'admire ça, c'est mon truc. Je passe mon temps sur les vidéos de motivation. Je suis une fan number one de Jack Ma. J'aime les self-made. Ça m'inspire. Donc j'ai aimé son histoire. Mais je ne sais pas s'il veut m'attribuer cette histoire-là, au fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que moi, c'était un lieu de circonstance. Je n'ai jamais caché. Je recevais même mes clientes à la résidence. Je les recevais là. Quand je suis arrivée au départ à Abidjan et que j'ai décidé de me lancer, déjà même, Perfect Skin existait déjà depuis longtemps. Je n'ai pas commencé ici, j'ai commencé au Nigeria. J'ai des femmes ici à Abidjan là, qui m'ont connue depuis là-bas. On expédiait déjà les produits à certaines clientes à Abidjan ici, de Perfect Skin, parce qu'elles ont entendu les Nigérianes parler du produit, ok, déjà à l'époque. Au Nigeria, j'avais du succès, mais sauf que le Naira était très haut à l'époque. Donc, ce qui faisait que pour se loger à Lagos, il fallait beaucoup d'argent. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris un appartement à Cotonou, comme je vous disais là, de 3 chambres salon. Normalement, entre le Bénin et le Nigeria, il n'y a que 2 heures de route. Donc, je mettais mes produits avec les transporteurs. Je louais les 4 places. On remplissait, on mettait les vêtements, tout ce que j'avais avant. Et ils partaient à 4 heures du matin pour éviter les embouteillages. Et puis, pour éviter même que, si je suis là, la douane va m'emmerder. Donc, eux, ils savent comment ils font. Ils payent, ils passent. Ensuite, moi, tranquillement, je montais dans la voiture, je partais. Arrivé là-bas, je l'ai toujours, Ola, mon chauffeur, on ramasse. On va dans les points, il n'y avait pas Facebook. On va devant les centres commerciaux. J'avais une tablette où je mettais mes avant-après. Donc, quand je vois une femme que je pense pouvoir, qui peut acheter mes produits ou quoi, je l'accoste. Il y en a qui te refoulent, qui pensent que tu viens peut-être quémander ou quoi. Mais souvent, ou bien devant les banques, ou bien des trucs comme ça, je vendais comme ça dans la rue. Mes vêtements, j'ouvre le coffre, je monte. C'est comme ça que je faisais. Je faisais ça à Lagos. Ensuite, on partait soit à Abuja, on allait à Port Harcourt, on allait. Mais j'ai une histoire. J'ai plein de gens qui m'ont vu faire. Parce que dans la vidéo, j'ai vu qu'il a dit qu'il m'a emmené au Nigeria. La première fois que j'ai mis les pieds au Nigeria, c'était en 2002. Ça fait vraiment très longtemps. Depuis 2002. La première fois que je suis passée sur une chaîne de télé au Nigeria, c'était en 2006. Sur la chaîne AIT. Le directeur là, il s'appelle Mark Amarele. J'ai encore son numéro parce qu'on est de très bons amis. Et Mark, c'est quelqu'un qui peut aussi donner, qui peut raconter mon histoire. Parce que quand j'emmenais les vêtements, parce qu'à un moment donné,
quand j'ai trouvé un partenaire au Bénin, parce que lui, il travaillait avec l'usine Marlotto, une usine italienne. Il faisait de la toile vierge. Donc, il avait des tissus de très grande qualité. Donc, on a commencé à faire les chemises Igbo, là, les grandes chemises longues comme ça qu'ils aiment, là, mais de haute qualité. Et on mettait des cristaux, les boutons, là. Donc, on faisait du travail avec des finitions parfaites. Je le recherche même, je ne sais pas comment mettre la main sur lui depuis des années. J'ai fouillé tous mes mails, je ne sais même pas. Mais bon, il n'est pas sur les réseaux. J'ai essayé tous les noms. Parce que, bon, je voulais revenir à mes anciens amours, puisque maintenant... La mode a fait un boom pas possible au Nigeria. Et donc, nous, à l'époque, on était les pionniers. On se débrouillait. Chevron, au Nigeria, j'ai de très bons rapports. Parce que le patron de Chevron, à l'équipe, par exemple, il achetait nos vêtements. Il m'appelait même son couturier. Donc, je dis, quand l'homme marche, il laisse des traces. OK? La première fois que j'ai emmené Kafumba Koulibaly au Nigeria... Je ne sais même plus en quelle année c'était. C'était toujours pour le compte de Perfect Skin. Et s'il insiste, je peux faire témoigner même ses employés. Les employés qu'il a eus là-bas. Les gens qu'il a côtoyés là-bas. Je peux faire témoigner tout le monde. La première maison que je lui ai trouvée au Nigeria, je l'ai payée moi-même. Ma comptable est là. Enfin, ma comptable de l'époque, Maeta. C'est elle qui a fait les transactions. C'était un boys quota. À VGC. VGC, c'est la cité numéro 2. C'est-à-dire que maintenant, il y a Banana Island. Avant, il n'y avait que VGC numéro 1, où tous les ministres, toutes les personnalités étaient. Et un boys quota, c'est quoi? C'est qu'au Nigeria, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une villa comme ça, et puis ils font une autre villa, ou bien une maison miniature, derrière, isolée, parce que généralement, les cours sont grandes. Vous ne vous voyez jamais dans tous les cas. Un peu comme ce qu'on appelle chez nous les dépendances, là. Mais sauf que ce n'est pas juste une petite chambre. Ça faisait deux chambres-salons, je crois. J'ai pris l'endroit. J'ai entièrement équipé. C'est-à-dire, j'ai mis les meubles, frigo, climatiseur. Même parce qu'au Nigeria, il y a des problèmes d'électricité. J'ai mis le groupe électrogène. J'ai mis absolument tout dans la maison et neuf. OK? Et puis moi, je suis venue à Abidjan. Après Kafui, c'est là, même quand il avait commencé ses activités-là. Parce qu'au Nigeria, le bail, c'est un an. Quand tu payes, tu bénéficies de la maison pendant un an. Quand je suis retournée au Nigeria, encore cette fois-là, il m'a dit qu'il avait mis les meubles, tous ces trucs-là à la garderie. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la couleur. Tout ce que j'avais mis dans la maison, je n'ai plus jamais vu la couleur. Au départ, il m'avait dit qu'il avait gardé dans un garde-meuble. Chose incroyable. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, OK. Parce que mon fils devait aller dans une école de musique. Donc, je ne voulais pas vivre avec lui. Il avait des problèmes d'addiction. Et ce n'est pas facile. Parce qu'il a dit des choses sur mon enfant. Et il n'a pas menti. Mon fils, en ce moment-là, traversait des moments très difficiles. Hein. Il était vraiment complètement addict à la drogue. Quand c'est ton enfant, quand il vole tes affaires, toi encore, tu as mal. Hein. Mais ça ne fait pas mal que quand il prend pour quelqu'un d'autre, surtout si c'est ton compagnon. Les parents qui ont des enfants dans cette situation savent ce que c'est. C'était gênant, très gênant même, cette situation-là. Donc ça, vraiment, s'il le dit, c'est arrivé vraiment. Et ça, je sais que je lui ai demandé pardon tellement de fois. Et je me sentais obligée de renouveler ce que mon fils voulait, dans tous les cas. À chaque fois. Dans tous les cas, lui-même, c'est pas quelqu'un qui laissait passer. S'il a volé, après il va te dire, ah, parce que ton fils m'a volé mes chaussures, je n'ai plus de chaussures. Tu vois un peu. Donc les situations embarrassantes, moi, j'aime pas. Donc si on a la possibilité, s'il voit, moi, cette chaussure, je veux lâcher ou quoi là. Je ne peux pas dire non, OK? Parce que je sais pourquoi. Voilà. Là, ça devient maintenant une obligation. Donc, oui. Mais il ne peut pas dire que je ne renouvelais pas. Je sais que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui me connaissent savent que pour avoir mon attention, là, il faut faire un petit geste, même si ce n'est rien du tout. Je vous disais tout à l'heure que ne serait-ce que parce que Kafou venait devant ma résidence et que... C'est rien, hein, peut-être pour d'autres. Mais comme j'ai cette attitude positive que j'avais perdue, ne serait-ce que sortir de mon lit, me peigner, m'habiller, descendre, avoir quelqu'un à qui parler, là, je lui étais déjà reconnaissante. Même quand il partait dans ces trucs de prière, où il devait faire des camps de prière, je partais avec lui. Les moustiques me piquaient. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon délire. Mais les moustiques me piquaient, mais j'étais en soutien. J'étais son amie.
s'il avait besoin de moi, comme quand il a eu ses problèmes, ses difficultés, je n'ai pas hésité à le soutenir. Alors que moi-même, je venais d'arriver en catastrophe. C'est-à-dire que je faisais quelque chose. Maintenant, il faut que je vienne commencer à réinvestir ici, me relocaliser. J'aurais pu considérer ma situation, mais non, pas reconnaissance. C'est dommage qu'on n'ait pas la même nature. C'est tout. Kafou, il avait effectivement un immeuble à Yopougon. OK? Il a dit que ça générait... Normalement, si tout le monde payait, il devait avoir 2 millions, 5 ou je sais pas, 3 millions, je ne sais plus quoi. OK? Vous connaissez, hein? C'est des histoires de loyer. Souvent, je vois qu'ils poursuivent celui-là, ils poursuivent lui-là. Et je crois qu'il avait un gérant et tout. Je suis allée peut-être deux fois. Il appelait le coin quelque chose, Ibrahim, je ne sais pas. Je ne pourrais pas localiser l'endroit. Il a dit qu'il a vendu son bien pour moi, Kevin. Dieu est vivant. Oh, God. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand il a arrêté de jouer, l'argent qu'on lui a versé dans leur club, là, quand il a quitté Nice, qu'il allait signer, je crois, au Qatar, selon ce qu'il m'a dit, le premier match, c'est au premier match qu'il a eu sa blessure. Donc, il n'a même pas eu le temps de prouver sa valeur et tout. Mais la prime, c'est pas l'argent qu'on leur donne là. Il l'a fait venir et puis il a acheté un terrain à Toban. Quand ça faisait 1500 ou 2000 mètres carrés, franchement, je ne saurais pas dire. Mais c'était grand quand même, OK? Et ce terrain-là, il avait fait une maquette numérique. Il avait son rêve, OK? Je respecte les rêves des gens. Il avait son rêve, il voulait construire un bâtiment, mettre une piscine en haut, une piscine en bas. En tout cas, il avait une très belle maquette avec de la musique. C'était très bien fait. Et puis, il poursuivait les gens. Il cherchait des gens pour l'aider à construire. Mais le problème, c'est qu'à cette période-là, il n'avait pas de revenus. Pourquoi il n'avait pas de revenus? Je vais le dire. Moi, on était des amis, donc on ne se cachait rien. La preuve, on avait même... Ça dit, moi, quand j'ai acheté mon téléphone, on avait le même, c'est iCloud. C'est-à-dire que mon répertoire se retrouvait dans le sien. Le sien était dans le mien. Nos mails. C'est pour ça que je ne comprends pas. Parce qu'il sait qu'il m'a donné absolument tout. Tous les documents. Absolument tout. Tous ses mails. Tout. Toutes les transactions. Donc, je ne comprends pas comment, sachant aussi minutieuse, parce que moi, je ne jette rien. Je suis très carrée. Tous mes trucs sont documentés. Tu me demandes ça là de 2010 et te sors le document. La preuve, regardez autour là, tout ça. Tout ça, c'est des documents. J'ai que imprimé. J'ai absolument toutes les traces d'absolument tout. Donc, pourquoi prendre le risque avec une telle personne? Prendre le risque de me diffamer. Donc, voilà. Je vais vous lire ça. Ça, c'est l'une de ces demandes de prêt. La Fumba Koulibaly... je sollicite auprès de votre institution bancaire le crédit de 300 millions remboursable sur 60 mois avec un différé de blablabla, beaucoup de choses comme ça. Ça, on ne peut même pas finir de... Il y en a plein. À cette époque-là, j'ai aussi son relevé bancaire. Il était débiteur de 84 000, c'est-à-dire même les simples agios. Les simples agios sur un compte bancaire, là, il était débiteur. OK? En France, il n'avait plus de compte bancaire, OK? Ce qui l'a tué, ce qui a tué les économies de Kafou, c'est qu'il n'a pas été bien conseillé. Il n'a pas eu de conseil avisé, ou alors, comme moi-même je l'ai expérimenté, il n'écoute pas les conseils non plus. Il avait un studio à Nice qu'il avait confié, je crois, à Bellambra. Et les trucs de vacances, là, c'est une très bonne chose parce que c'est un endroit, donc le montant pouvait être sympa. Mais c'était à crédit. Et donc, pendant qu'il jouait, il pouvait payer régulièrement les prêts, OK? Mais quand il a eu sa blessure et qu'il n'avait plus un revenu mensuel et tout ça, si moi, je le connaissais à cette époque, je lui aurais dit... Soit tu trouves un acquéreur, tu te libères, genre tu revends
Ou alors, truc, mais il a laissé le truc là bouffer ses économies. Parce que ce que les institutions bancaires font, c'est quoi? C'est... Donc, même si, si tu n'as plus une source de revenus, il ne faut pas avoir de charges comme ça. Ça bouffe. Dans la mesure où tu sais que même si ça prenait même tes économies qui étaient là, ça ne pouvait pas te permettre de compenser l'hypothèque sur le bien. OK? Mais je ne sais pas qui l'a conseillé. Il voulait s'entêter, c'est-à-dire il voulait garder ce bien-là à tout prix. Et dans le même temps, il avait une blessure assez grave, puisque c'était un problème de cartilage. Les soins, parce qu'il a beaucoup dépensé en soins, il a couru le monde entier, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il a essayé absolument tout ce qui existe sur cette terre pour trouver... C'est un musulman, mais il allait dans les églises, c'est-à-dire il était désespéré. Et ça, je l'avais compris, OK? Il a tout fait, tout. Traditionnel, il a absolument tout fait. Maintenant, tout ça, c'est à ses charges, puisque ce n'était pas pris en charge par quelqu'un d'autre. Et tout ça, il n'a toujours pas une source de revenus stable. Si même il avait l'immeuble là qui rapportait 3 millions, plus son standing, les billets d'avion, ça coûte combien? Les soins, ça coûte combien? C'est de l'argent. S'il faut aller... Bon, après, le dernier truc, c'est qu'il allait se faire opérer en Allemagne. Tout ça, c'est de l'argent. En plus, c'était... un truc expérimental, en tout cas, quelqu'un, un médecin très réputé et tout. Donc, moi, je voyais ses difficultés, je voyais aussi ses efforts de pouvoir se remettre. Je suis quelqu'un qui ne tourne pas le dos aux gens. C'est pour ça que mon cercle est restreint, parce que je porte les gens. C'est ma nature. J'ai grandi au milieu des garçons, OK? J'ai vu que les gens pouvaient galérer et mourir sans réaliser leurs rêves. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai perdu mes frères. Parce qu'on a eu une enfance difficile. Donc, j'ai pensé que parce qu'on avait une enfance difficile, ils allaient grandir et réaliser de grandes choses. Et quand je dis on a eu une enfance difficile, ce n'est pas dans le sens où on dormait dans la rue ou bien dans 2 mètres carrés ou bien qu'on ne mangeait pas à notre faim. Non, notre papa, c'était quand même un fonctionnaire. Okay? Donc, il avait quand même un revenu. Et aussi loin que je me souvienne, personne n'est jamais venu chez nous encaisser notre papa. On n'a jamais dormi dans la faim non plus. Mais on n'avait pas le superflu. Et ça, je ne l'ai jamais caché, je le dis dans mes vidéos. Papa, c'est maintenant là. Quand il était fonctionnaire là, il ne pouvait pas faire ses affaires comme il voulait. Mais c'est maintenant que toute sa puissance est... C'est-à-dire que quand on était petit, il s'est mis à dos la politique. Parce que déjà, notre famille, c'est qui? Du côté de Béoumi, mon grand-père, c'était le chef de canton, OK? C'était le chef de canton et il a lutté avec le président Oufoué à l'époque. Ils ont tous lutté pour les travaux forcés, tout le reste là. En tout cas, il a lutté au côté du président Oufoué et tout et tout. Mais il n'a pas eu la patience parce que quand ils ont fini, lui aussi, il a voulu se présenter aussi, voilà. Donc, Oufoué lui a dit, « Ah, mais si tu perds aussi, là, il faut savoir que ça va être difficile. Hein. » Donc, notre grand-père, malheureusement, comme on le sait tous, avait perdu. Bon, selon ce qu'on m'a dit, hein, le président Oufoué aurait fait dynamiter le pont qui reliait notre ville à quelle ville. Bon, par la grâce du président Alassane Ouattara, le pont a été restauré. Enfin, ils ont fait un nouveau pont et tout. Donc, ça, la ville est en train de prospérer comme elle devrait l'être à l'époque. Et ça fait que ma famille paternelle avait déjà une dent, OK, contre le PDCI. Tandis que du côté de ma mère, la famille était vraiment à fond dans la politique, OK. Mon arrière-grand-père, celui même qui est porteur du nom Angoua, jusqu'à mon grand-père, c'est-à-dire l'oncle de ma maman, qui était, paix à son âme, directeur des douanes en Côte d'Ivoire, qui était très proche. Donc, ça, je ne sais pas si c'est pour ça que mes parents, la relation n'a pas marché ou quoi, parce que mon père, lui, il avait une dent contre le système. Donc, quand le président Gbagbo, en 90, a commencé son mouvement, papa a chargé, OK? Il a mis sur sa tête. Et il y a eu beaucoup de difficultés, parce qu'apparemment, ils bénéficiaient plus de rien, ils lui ont serré les vis, pas possible. Donc, nous, c'est nous qui galérions à cette époque-là. Mais au moins, on avait de quoi manger.